お前はもう死んでいる。Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers voyageurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube Manuel Geek. Car avec Air Geek, on voyage vers d'autres univers. Eh bien, aujourd'hui, on va voyager vers le monde quantique. Car, eh oui, presque un mois pile avant sa sortie, le célèbre film Marvel qui sort le 15 février, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, a dévoilé cette nuit une bande-annonce, donc la nuit du 9 au 10, donc le 10 à 4h30 du matin, à l'occasion du Super Bowl, une bande-annonce, elle a maintenant, il a fallu quelques heures, essayez, elle est en VR, donc on va se visionner la bande-annonce Ant-Man et la Guêpe Quantumania, car... un grand fan de Marvel, bien évidemment, comme d'habitude. Les grosses sorties cinéma, tout comme on en a fait avec la vidéo sur Transformers, eh ben, on ne se loupe pas et on se fait une vidéo réaction. Et c'est tout de suite. Et voici ce premier visionnage. Mais un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps, comme moi. Nous pouvons arranger ça. Papa ! Qui êtes-vous ? Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. C'est-à-dire ? Du temps. Il peut réécrire l'existence même. Disloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance. Peu importe qui il est. J'ai manqué trop de choses. Papa ! Grâce à lui, on pourra avoir une seconde chance. Je vais faciliter ta décision. Ou tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra. Tout est de ma faute. À ta place, j'éviterai de regarder. On avait un accord. Tu as cru pouvoir gagner. Pas besoin. Du moment qu'on perd tous les deux. Pardonne-moi, Cassie. Et voilà de retour après cette... premier visionnage d'Ant-Man et la Guêpe en VF. Commentez si ça vous a plu. Mais là, c'est parti. Bah, réaction. Déjà, la bande-annonce est incroyable. À savoir que je l'ai vu 3-4 fois en VO. Parce que, comme je vous dis, en début de vidéo, c'est sorti à l'occasion du Super Bowl. Il y a eu un live, etc. Sur YouTube, on pouvait le voir. Et une demi-heure après cette diffusion, c'était disponible en VO. Sans sous-titres, mais c'est une bande-annonce déjà extrêmement incroyable. Alors, j'ai déjà discuté avec une personne, tout comme moi, fan de Marvel, et cette personne est d'accord avec moi que ce film, vraiment cette bande-annonce, est vraiment la meilleure de tous les films Marvel. Alors, il y en a qui seront peut-être contre. Mais Doctor Strange, la bande-annonce était bien. Là, c'est vrai. Bon, non. Après, on a la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie qui est plutôt hypante. On va pas se mentir. Donc, bon. Mais celle-ci dépasse de loin
les attentes. Et c'est extrêmement dynamique. Beaucoup de paroles, beaucoup d'émotions à la fois, d'action. En gros, c'est comme si on avait le film, mais sous forme de bande-annonce en fait. C'est comme si on avait toutes les émotions du film en fait. Donc c'est ça qui rend la bande-annonce incroyable. Maintenant, la vidéo réaction bien évidemment, surtout quand c'est du Marvel. C'est pas que réagir au film, mais là parler chronologie, à parler histoire. Donc avec ce que dit Jeannette, on pourrait supposer que Jeannette connaît Kang parce qu'elle lui dit qu'il pourrait se faire trahir, etc. Et il faut savoir que dans les premières bandes annonces, Jeannette dit une phrase, c'est qu'elle dit il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Et donc ça pourrait amener à plusieurs choses. Qu'elle a refait sa vie dans le monde quantique. Ou surtout, qu'elle connaît Kang. Maintenant, savoir de comment elle le connaît, parce que pour ceux qui ont suivi la série Loki, et pour ceux qui n'ont pas suivi, Kang a été créé à la base, c'est celui qui ne demeure. Donc, dans Loki, tout celui qui gère le TVA, et Sylvie a tué celui qui demeure. Et il lui dit que d'autres multitudes de lui-même surgiront et que ça, en gros, ça va être un massacre, ça va être un bordel, quoi. Et sauf que Sylvie ne l'a pas écouté. Loki ne voulait pas qu'elle la tue. Et Loki a été renvoyé au TVA. Et Sylvie a tué Kang. Et voilà ce que sans doute ça crée. Mais c'est bizarre, c'est parce que tous les Kang sont éliminés. Celui qui demeure, c'est censé être le dernier survivant. Il lui dit lui-même que c'est le seul. Donc on va savoir pourquoi il est dans le monde quantique. Ou est-ce que celui qui demeure ne serait pas ce Kang-là, ressuscité, parce qu'il dit qu'il va ressusciter. Il dit pas, oui, je vais ressusciter, mais il dit, je vais revenir à la vie avec une multitude de moi-même. Donc ça a tout son sens, donc c'est peut-être lui, justement. Mais c'est vrai que celui qui demeure énonce que c'est pas le plus méchant des Kang. Des Kang des variants de lui-même. Sauf que c'est avant qu'il meure. Voilà. Donc, là, mon ami qui est fan de Marvel, si il regarde ses vidéos, quand on en a parlé hier, c'est vrai que c'était quand il est encore en vie. Mais maintenant qu'il était décidé qu'il est revenu à la vie, il est peut-être devenu dangereux. Donc voilà. Ah non, c'est ça le problème. Après, on peut voir MODOK. Je vais vous montrer ceci. On peut voir le retour de MODOK. Oula, j'ai rétréci trop mon écran. Voilà. MODOK qui est juste là. Attendez. MODOK, normalement, on va le revoir. Ah non, MODOK, c'est vraiment à la fin qu'on le voit. Ouais, ça va être à cette partie-là. Ah, j'ai trouvé, voilà. Donc, nous pouvons voir MODOK. Célèbre personnage que vous pouvez sans doute voir. Attendez, vous le voyez sans doute pas trop bien. Voilà, je vais rentrer sur ma caméra. Voilà. MODOK, personnage connu dans les célèbres séries Iron Man, Avengers. Voilà. Sauf
que MODOK, ce n'est pas n'importe qui. C'est Darren Cross, alias Yellow Jacket, dans Ant-Man 1. Eh oui. Là, pour cette origin story, donc, ouais. Pour ce personnage, ce n'est pas le personnage vraiment qui est MODOK vraiment dans l'univers Marvel de base. C'est Darren Cross qui est devenu MODOK. Et il a bel et bien un visage. Ce que vous voyez là, à l'écran, son armure, c'est pour le coup, c'est vraiment son armure. Il a bel et bien sa grosse tête. Vous pouvez le voir normalement. Voilà. À 57 secondes, normalement, on va pouvoir voir MODOK. Je vais avancer 57 secondes. Et on va pouvoir... Voilà. Ici présent. Darren Cross. 57 secondes. Et si on met... Voilà, 56. On peut le voir davantage. Voilà, on peut voir davantage Darren ici. Voilà, 57 secondes. Vraiment comme ça. En fait, quand j'ai cliqué, il y a 57 secondes, mais il y a toujours les millisecondes en plus. Donc, j'avais pas bien cliqué. Mais là, voilà. On peut bel et bien voir Darren ici. C'est la tête de Darren. De toute façon, l'acteur a été casté pour jouer dans Ant-Man. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la souris, le curseur sur l'écran de VLC Media Player. Mais c'est bel et c'est le gros bonhomme, du coup, vous voyez, derrière Kang et les deux soldats. Donc déjà, si on voit Ant-Man et qu'on voit Cassie, et Kang sans son masque, on ne sait pas à quel moment, mais ça voudrait dire que déjà il va dévoiler son identité, etc. Et là, ça va ramener vraiment à Ant-Man 1. Mais vraiment, ça va mener à Ant-Man 1. Voilà, je remets mon écran pour que vous voyez mieux. Ça va revenir à Ant-Man 1. Parce que oui, tous les Marvel, au final, qu'on remarque, amènent toujours au précédent. Tous les Thor, au final, reviennent avec du Thor 1, etc. Thor Love Thunder, par exemple, avec... je sais plus le nom de la meuf de Thor. Mais bref. Ouais, Jane Foster, voilà. Jane Foster, par exemple, la relation avec Thor remonte grand maximum à Thor 1 et 2, quoi. Et quand même à Thor 3, son Jane Foster, là, elle revient. Donc, voilà, quelques petites cohérences, etc. Pareil avec Iron Man 3. Et tout ce qui s'ensuit. Captain America Civil War. Toutes ces bribes, quoi. Donc là, c'est vraiment intéressant sur le MCU. Là, les films vont être cartonnés. Maintenant, revenons à Kang. Lui-même. Kang, donc, on voit bien le bleu. On voit bien que c'est Kang le Conquérant. Donc, notre Kang à nous. Le méchant. Alors, Kang le Conquérant, c'est le Kang le plus méchant de tous les Kang. Et c'est lui qui dirige tout. Et pour reparler filmographie, justement, il y aura qui est prévu. Normalement, c'est 2025 ou 2026. Ouais, le Avengers Kang Dynasty sortira en 2025. Mais bref, pas pour tout de suite. Donc là, c'est pas une vidéo dédiée à Avengers, si je me trompe sur la date. C'est pas un problème. Mais voilà, il sort prochainement. Il a été annoncé. Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Donc, pour Kang Dynasty, ça voudrait dire que déjà, Ant-Man et la Guêpe ne seraient pas le seul film où l'on verrait Kang, d'ailleurs.
Sachant que c'est déjà du lourd de voir le Kang dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, espérant que c'est le Kang, parce que certes il est bleu, mais faut pas oublier qu'il y a d'autres Kang qui ont été annoncés. Donc est-ce que c'est pas pour nous faire croire que c'est lui le Kang, et pour nous prouver que Kang est puissant, et qu'en fait, là ce qu'on vient de voir, ce massacre de Kang contre Ant-Man, bah ça, c'est rien contrairement à ce qui va arriver plus tard, dans d'autres films Marvel. Et c'est ça qui est hypant de ouf. C'est ça qui est hypant. Maintenant, pour en revenir à maintenant Ant-Man, donc Scott Lang. Donc, il veut un peu, au final, comme Captain America, la fin d'Endgame, quoi. Refaire sa vie tranquille. Mais alors, vous allez peut-être me dire, bah, il aurait pu faire pareil avec le monde quantique et revenir dans le passé. Bah oui, c'est vrai. Pourquoi Ant-Man, il l'a pas fait? Pourquoi Scott Lang l'a pas fait? Il aurait pu sauver son passé, comme l'a fait Captain à la fin de Endgame, Captain America, a remonté dans le monde quantique dans le temps, tout comme faisait Scott Lang. Il a été dans une chronologie et il a refait sa vie, quoi. Et après, tu le revois vieux et il a vécu heureux. Pourquoi, au final, Scott Lang l'a pas fait? Pourquoi? Mais au moins, ça donne un sens, parce que regarde, maintenant, Kang, en fait, il propose du temps. Parce que Kang, en gros, il est manipulateur, il peut faire plein de choses. Donc, en fait, du coup, il va proposer à Scott Lang du temps. Sauf que là, on peut voir maintenant, et c'est ça qui donne encore plus envie d'aller voir le film, c'est de savoir... Quelle est la chose que Kang a demandé à Scott Lang? Parce qu'il lui demande quelque chose. On le voit et il le trahit. Et il trahit Scott Lang. Donc, est-ce qu'il veut retourner sur Terre ou est-ce qu'il veut autre chose? Parce que pour moi, s'il peut manipuler, etc., je pense qu'en réalité, Kang, il peut revenir sur Terre comme ça. Kang, en fait, c'est Thanos, mais en plus puissant. Non, c'est différent. Thanos et Kang sont deux personnes différentes. Mais c'est du coup... Kang, c'est le gros antagoniste, tout comme Thanos, quoi. Pour les prochains Avengers. Kang, on va peut-être revoir dans Loki, etc. Parce que justement, c'est grâce à Loki qu'on est amené sur Kang. Donc, on espère aussi, en termes de Loki d'ailleurs, des références à Loki saison 1 sur Kang. Et en bande annonce, pourquoi pas une liée à Loki saison 2. Pourquoi pas? Mais dans les castings, il y a Nick Fury et Jimmy Woo. Mais là, vu comment c'est passé, Jimmy Woo. Personnage que vous pouvez voir dans... C'est l'asiatique que vous pouvez voir dans WandaVision. C'est un flic, c'était un ancien du SHIELD, etc. Et justement, il est dans les castings, etc. Jimmy Woo, c'est pas l'acteur, hein, c'est le personnage. Mais il est présent dans le casting d'Ant-Man et la Guêpe. Je pense pas qu'on le verra là, je pense que Samuel Jackson et Jimmy Woo, ça va être dans une scène post-générique liée à Secret Invasion. Secret Invasion, que je vous rappelle, qui sort en 2023. Une petite guerre entre les Skrulls, etc. Nick Fury et tout le blabla. Mais à savoir d'ailleurs, que peut-être, ça c'est ma théorie, qu'on pourrait avoir Loki prématurément, justement. Pourquoi? Parce qu'Ant-Man et la Guêpe Quantumania est sorti et qu'on n'a pas de date de Secret Invasion. S'il serait dû être pour début d'année, donc entre janvier et mars, il aurait dû avoir une des deux séries. Loki ou Secret Invasion, il n'y a pas date pour Secret Invasion. Et vu que Loki était lié à Kang, etc., je pense que Loki sortira prématurément, peut-être après Ant-Man Quantumania. Je dirais... Peut-être 2 semaines ou 1 mois après Ant-Man Quantumania. Donc, ça nous laisse porter sur mars. Peut-être en mars,
Loki prématurément, c'est qu'une théorie. Pour en revenir toujours à notre bande-annonce de Dortmund, justement, parce que une bande-annonce, une React, c'est pas qu'à la bande-annonce, c'est vraiment la chronologie, surtout quand c'est lié à d'autres films et d'autres séries. Parce que c'est vrai que pas tout le monde n'a regardé la série Loki, pas tout le monde suive tous les Marvel, donc faut régler un peu ce problème et expliquer, quoi. Le but, c'est que vous soyez à l'aise avec le film, que vous compreniez l'histoire. Mais ce film va être émouvant. Mais je pense, parce que vous pouvez voir que Casey a endossé un genre de costume. Casey, dans les comics, etc., fait partie des Young Avengers. Ou ce qu'on peut appeler aussi les New Avengers. Et on a plein d'héros présents qui font partie des Young Avengers, etc. Ironheart fait partie des Young Avengers et des nouveaux Avengers, tiens d'ailleurs. Bientôt, on verra Wiccan qui est prévu, donc le fils de Wanda. On a vu Miss Marvel. Miss Marvel fait partie des Young Avengers et aussi des New Avengers. Kate Bishop, que vous pouvez voir dans Hawkeye. Donc tout ça, ça mène au New Avengers. New Avengers, Young Avengers. Voilà. Et donc, pour moi, Scott Lang va mourir dans le film. Et ça va être sa fille et Hope qui vont gagner, quoi. Mais pour moi, Ant-Man, s'il meurt, si Scott Lang meurt, est-ce que j'ai dit Scott Lang ou j'ai dit Hank Pym? Parce que c'est vrai qu'à la base, dans les comics, etc., le premier Ant-Man, c'est Hank Pym. Donc, si des fois je dis Hank Pym, je veux bien parler plutôt de Scott Lang. Scott Lang pourrait mourir. Pour moi, hein. Mais il aurait fait quelque chose de très important. Mais après, moi, je veux pas qu'il meure parce que franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et comme je le disais à quelqu'un aussi fan de Marvel, quand s'est fait la récap du film, Ant-Man, le 1, le 2 aussi, mais particulièrement le 1, c'est mon préféré parce qu'il est drôle, etc. Et là, on peut le voir que le film sera moins drôle. Mais plus d'action. Plus de baston comme ça. Bam, bam, bam. Ça va être un vrai bordel. C'est un Avengers Endgame, un Captain America Civil War. C'est un regroupement de tout ça. Tous les gros blockbusters de chez Marvel. Les films de dinguerie. Les films lourds. Ça va être Ant-Man. Genre, Ant-Man va être un film comme ça. Alors qu'Ant-Man, habituellement, c'est drôle, un peu d'émotion. Voilà, on peut voir justement avec l'émotion avec Ghost dans Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man 2. Voilà, on peut voir plein de choses, monde quantique, etc., retour de Janet. Et sauf que là, il n'y aura pas que d'émotion. Ça va être moins drôle. Ça va être moins drôle. Ça sera peut-être drôle au début, quand ils ne vont pas aller dans le monde quantique. Et là, dès que ça va être dans le monde quantique, là, on va aller dans du sérieux. Là, le film, là, ça va débuter. Là, ça va être vraiment ce qu'on attend là de la bande-annonce. Ça va être vraiment ça, en fait. Dès que c'est dans le monde quantique, ça y est, c'est parti. Le film, ça va être une tuerie. Ça va être drôle peut-être au début. Et bam, on va être lancé dans le film. Et c'est incroyable. Non, franchement. Voilà. Normalement, ben, on a fait le tour un peu de tout. Bonne annonce, Lia Kang, les récaps de Loki, ouais, on a tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de vous refaire cette vidéo en réaction Marvel. Bien évidemment, bonne annonce, gros blockbuster, voilà. Je suis Emmanuel Rix, c'est ça qu'on fait, on fait les gros blockbusters, les Marvel, tout ce qu'on aime, quoi, les gros films. En février, justement, sortira d'ailleurs la première bande-annonce de Fast and Furious 10.
Donc, gros blockbuster, grosse saga. Donc, rendez-vous normalement au mois de février pour cette bande annonce. Sauf si elle a retardé. Mais elle a été déclarée pour sortir au mois de février. Et c'est pareil, on attend également la deuxième bande annonce de Mission Impossible. La nouvelle bande annonce, hein, parce qu'une bande annonce avait déjà été sortie il y a quelques mois. Ou deux, je ne sais plus. Mais là, on attend la nouvelle, comme ça, il y aura sans doute plus d'action et un bon react dedans. Et c'est ça qu'on aime sur les vidéos react. Sur ce, je vous souhaite la bise à tous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous allez voir Ant-Man et la Guêpe le jour J. Et vos avis. Voilà. Par rapport à la bonne annonce. Et je mettrai le lien en description. Mais vous pourrez probablement me donner vos avis et je les énoncerai le jour de la sortie d'Ant-Man et la Guêpe. Sur ce, la bise à tous.